des jeunes, des petits nouveaux, un banc en format top 14. Pour ce troisième match, le CAB change tout ou presque du sol au plafond. Un large turnover pour impliquer tout le groupe et conserver de la fraîcheur physique et mentale pendant 80 minutes. On joue le jeudi, il y a quand même un jour de récup en moins. Donc il était évident qu'on allait faire tourner un petit peu l'effectif. On croit beaucoup en nos jeunes. C'est pour ça qu'on les met sur le terrain. Et on croit aussi beaucoup à nos joueurs d'expérience. C'est pour ça qu'ils nous amèneront sur la fin du match. Des choix forts, comme la première titularisation de David Delarue. Pur produit de la formation briviste, le jeune demi de mêlée évolue dans un registre différent de celui de Sam Marquez, l'habituel taulier du poste. À 21 ans, Delarue est déjà bien plus qu'un simple espoir. D'être dans le groupe dès les premières journées, ça m'a permis de retrouver de la confiance. Voilà, dès le début de saison, aux entraînements, je me sentais de plus en plus à l'aise avec le plan de jeu. Voilà, quand je suis rentré, c'est vrai que au niveau du stress, ben, ça allait. J'étais pas trop stressé, j'avais juste envie de jouer, d'être sur le terrain. Titulaire aussi pour la première fois, Victor Lebas. Peut-être un bon signe, car il a déjà gagné à Aguilera. C'était sous les couleurs d'Angoulême où il était prêté. Mais le deuxième ligne se méfie du BO, qui a souffert en coulisses cet été, tout en conservant une ossature solide. C'est une équipe qui est très forte sur les bases, qui met beaucoup de rapidité dans son jeu. On a des matchs de très haute intensité à chaque fois qu'on joue contre Biarritz. Donc il va falloir se méfier de cette équipe. On a pu voir qu'ils se sont quand même rassurés. Ils ont montré de très belles choses sur les deux premières rencontres. Après l'échec à Bayonne, l'objectif est clair. Ramener enfin des points du Pays Basque pour ne pas avoir les nerfs en pelote.